There's a lot of talk about the race in 2020. Sure, there's a lot of candidates in the running. But can any of them actually run? I mean, really run? I'm the last American movie star. No one runs like I do. And nobody opens a box office like me. And with your help in 2020, together, we'll dominate the ballot box. This is no stunt. But if it were, I'd do all those for real. Why vote for me? I'm not just your everyman. I've literally been every man. I've been a Navy pilot, a lawyer, and a Navy lawyer. My opponents will say I was a pimp in high school. It's true. But I grew up fast in NASCAR country. And started a small business, a sports agent to set a better example. I know foreign diplomacy because I fought alongside the samurai. And I'm proud to serve our country, defending our planet against aliens twice! No, three times. I know this country top to bottom inside out, from here to here. Because I've lived its history. Literally, I did. As a vampire. I feel the need to lead. As your commander-in-chief, no mission is impossible. So help me. Help me help you to elect me in 2020. I'm just a patriot. My birthday? The 4th of July. I'm Tom Cruise and I'm running for President of the United States. America? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 37. Cette semaine, émission Vieillir avec classe, sans voyant l'air et sexe à pile. Comme un avion sans aile, on a chanté toute la nuit, on a chanté pour celles qui nous ont pas cru toute la nuit. Et même si on peut pas s'envoler, oui, on ira jusqu'au bout. Oh oui, on veut jouer, même sans les atouts. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation de... Docteur, ah, je sais pas, mais c'est nul. De Charlie Couture, donc. Ah, mais c'est pas bien. De Comment la Gonzalez. Sur les atouts, tout la fin. Le frère de Tom Novembre, donc. Donc, nous allons parler de deux films qui parlent de vieillir et de s'envoyer en l'air, puisque donc nous allons commencer par le nouveau film de David Cronenberg, Crimes of the Future, les crimes du futur chez nous, donc. Et ensuite, nous parlerons évidemment de l'événement de l'année. C'est le retour de Tom sur les grands écrans du cinéma. Donc, il est jamais vraiment parti. Non, il est jamais vraiment parti. Ça fait le retour depuis 6 mois. Voilà, exactement. Ah, oh, ça fait un moment qu'il a pas sorti de film due to Covid. Donc nous allons parler de Top Gun Maverick de Joseph Kosinski avec donc Tom Cruise bien évidemment. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a la fine fleur de la critique du Grand Ouest qui a sorti tout son sex appeal. Donc il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a aussi Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Thibaut n'est pas des nôtres ce soir sous le prétexte fallacieux qu'il n'a pas vu les films. Alors qu'en général, ça ne l'arrête pas pour venir quand même. C'est mais donc bon. À cause de lui la crise dans les salles. Ouais, exactement. C'est les mecs comme lui en fait. C'est à cause de lui. Donc voilà, ce sont les forces en présence alors que nous allons peut-être mourir de froid avant la fin de l'émission. Parce que la on clim... va essayer de trouver le bouton de la clim. Parce que la clim souffle très très fort, ouais. Et balance un air froid, c'est très désagréable. C'est pas bien. Dans le cou là, c'est pas terrible. Non, c'est pas bien terrible. Fait de prévoir nos pubs. J'ai l'impression qu'un mec me souffle dans le cou, mais froid. Tu vois, genre un vampire qui me souffle dans le cou. En tout cas, avec un vampire, exactement. Bah, pour le coup, très bien, docteur. Tom Cruise Related. Voilà, exactement. Donc, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la session critique de cette émission, nous allons passer aux agendas. Un seau de merde, docteur. Il va jeter un seau de merde en plein milieu. Donc, agenda local pour commencer ce soir à la fin de cette émission à 20h15 à l'Arvor, donc en partenariat avec Japanim. Il vous propose de voir ou revoir le premier long métrage pour le cinéma de Hayao Miyazaki, Nausicaa ou La Vallée du Vent.
Avec en partenariat le podcast En Intervalle, dédié au cinéma d'animation. Exactement. C'était pas dimanche dernier, ça ? Non. Bah non, non, non. Le 31, c'est bien aujourd'hui. Ah oui, non, c'est aujourd'hui. Oui, voilà. J'ai perçu que c'était dimanche matin, en fait. Ils ont passé Nausicaa en dimanche. Oui, ah oui, ça dimanche matin aussi. En sens présent. Je pensais que c'était séance unique dimanche matin, en fait. Voilà. Sinon, demain, donc mercredi, il y a Aux Ombres Électriques, en partenariat avec l'association Survie 35, donc, qui travaille sur la France-Afrique, le documentaire Le silence des mots de Gaël Fay et Michael Stjank, qui donc traite des suites de l'opération turquoise de la France au Rwanda en 1994 et les conséquences funestes que la France évidemment rechigne toujours à avouer. Puis on imagine bien donc, que la France tiendra son rang évidemment dans la dignité et l'honneur d'habitude. Exactement, surtout dès qu'on peut faire un petit génocide en Afrique. Voilà. On continue la France-Afrique, là en ce moment la France est en train de vouloir interférer dans les élections en Centrafrique, oui, bah oui. Puisqu'ils ont décidé de prendre de la crypto-monnaie comme monnaie officielle pour contrer justement le franc CFA. Et le président français, donc Emmanuel Macron, refuse ça et donc décide d'interférer dans l'élection pour que le président ne soit pas réélu. Classic les meilleures shit. Idées. Exactement, classique shit. Voilà, c'est bien de voir qu'on continue à perpétuer les traditions. Avant... Ça s'appelle la 5ème République, monsieur. Exactement, c'est ça. Bon, avant de repasser à du local, les sorties nationales pour les deux semaines à venir, puisque donc la semaine prochaine, on ne fera pas d'émission en direct, hein, on prolonge notre week-end prolongé. Soit les gens ont décidé de travailler, de préparer des festivals, on va y revenir, ou alors d'autres tout simplement vont faire la noce, hein, littéralement. Parce ou que, rien. Voilà, ou rien, pour, voilà, comme le docteur. Mais comme, ça sera rien, moi, je mais pense. Comme moi et Thibaut, donc nous sommes à des mariages, en l'occurrence, ah, pas le même, mais noces, bon, voilà on est de noces. Donc, les sorties nationales des deux prochaines semaines, il y a Firestarter avec Zac Efron. Oh, oui, qui avait déjà été adapté dans les années 80. Qui a été adapté dans les années 80, ouais, ouais, Charlie, ouais. Tu vois, une meuf qui fout sur du feu. Sur une gamine. Ouais. Oui, bah, une meuf. Je suis étonné que ça soit pas. Non, Chloé Grace Moretz, elle est trop vieille maintenant. Elle est trop vieille, elle a bien 25 ans. Ouais, ouais, elle peut plus jouer les gamines de 14 qui ont des super pouvoirs. La vieux, quoi. Donc voilà, ça aurait pu être la gamine de Stranger Things, mais elle est trop vieille aussi. Aussi. Elles sont trop vieilles maintenant. Elles sont toutes trop vieilles. Elles sont périmées. Ah, ça y est. On dirait Roman Polanski, fais gaffe. Plus que 20 ans avant 40 ans, quoi. C'est ça, c'est. Oh là là. Quelle horreur. Mon Dieu. Même DiCaprio, on n'aurait pas. Stop. Stop. Mais c'est parce qu'il boit, lui. Oui, voilà, c'est pas la seule raison, à mon avis. Mais Daddy Issues. Enfin, Mommy Issues. N'allons pas sur ce terrain-là. J'ai un ami psychiatre, écoutez, je sais de quoi je parle. Je te fais confiance. Donc, sinon, dommage que Thibaut ne soit pas là, parce que c'est quand même un peu de sa famille. Le nouveau film en tant que metteur en scène de Clovis Cornillac, C'est magnifique. Donc voilà, qui sort. Pourquoi c'est de sa famille ? C'est un lointain cousin. Ah oui, d'accord. Okay. Parce que Myriam Boyer, c'est genre une grande tante éloignée de côté de sa mère. Oh, le monde est petit. Et oui. La Haute-Loire, non ? Ouais, par là. Faut donc il est entré en Anatole Godard par copinage. Exactement, en fait. Exactement, voilà. Parce qu'on est fan de Clovis Cornillac ici. C'est bien ça. Parce que Clovis, on lui doit des trucs, faut bien le dire. Ah, bah, oui, sans lui, l'émission serait pas ce qu'elle est. Quoi. Ah bah clairement, parce que grâce à Clovis Cornillac, on a eu le droit à une super émission. À Clou-Clou, une super émission grâce à son film Protéger et servir avec Caméra de Eric Laven, un film qui avait quand même, à l'époque, on mettait des notes dans l'émission, avait eu la note de 8-6 sur 10. Parce que Thibaut, JB et Erwan s'étaient abonnés à la 8-6 avant d'aller le voir. D'accord. Voilà. Oui, à l'époque, on était quand même plus professionnels que maintenant. Oui, mais je vois ça. Donc voilà. Sinon, il y a un film donc, espagnol avec Penélope Cruz et Antonio Banderas qui sort, qui s'appelle Compétition officielle, qui sort juste après le festival de Cannes, le film de comédie un peu sur le monde du cinéma, voilà. Pourquoi pas ? En tout cas, bon casting, évidemment. Sinon, ce sera la semaine prochaine, il y a le nouveau film de Alex Garland, le réalisateur de Ex Machina et de Annihilation, qui s'appelle Men, donc comme les hommes. Ah oui, c'est le film d'horreur où les hommes, ils ont l'air méchants. Oui. Qui est au casting, tu sais ? Non. Non, ça a l'air d'être du pas connu. Oui. Ça a l'air d'être du britannique pas connu. Oui. Donc voilà. Pourquoi pas, Alex Garland est plutôt un garçon compétent, en tout cas intéressant. Sinon, il y a le nouveau Jurassic World, le monde d'après ou le monde de demain, je sais plus. Bon, ils ont ramené tout le monde. Et... Bon, on a passé l'âge. Hein, c'est... Sam Neill, tout ça. Oui, quoi. Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern et ce gros naze faf de Chris Pratt, mais bon. Voilà. Sinon, il y a une comédie d'amis qui s'appelle Champagne, qui donc se passe en Champagne avec. Du champagne avec...
que Stéphane de Groot et leurs amis, leurs amours, leurs emmerdes. Je crois qu'il y a Zabou Bretman ou Elsa Zilberstein. En tout cas, problème de riche, que des gens qui sont sponsorisés par Moët et Chandon. Champagne. Donc voilà, voilà. Sinon, il y a une autre comédie qui s'appelle Petite Fleur avec Melville Poupeau et Evie Malaponce, qui est une comédie un peu absurde sur un mec qui rencontre son voisin qui le tue tous les jours, mais le mec n'arrête pas de revenir. Pourquoi pas. Pourquoi d'accord, pas. Voilà. Ça sent la dupieuserie, ça. Un petit peu, ouais, mais en plus sympathique. Sinon, il y a deux ressorties. Donc, enfin, Boris Eustache a lâché les droits. Donc, le film a été repassé à Cannes il y a deux semaines. Il ressort en sortie nationale. Donc, le 8 juin, c'est La Maman et la Putain de Jean Eustache. Donc, on espère qu'il passera à Rennes, parce que c'est quand même un film important que beaucoup de gens ont pu voir, mais dans une copie de merde depuis des années, parce que le film officiellement était bloqué à cause du fils de Jean Eustache. Merci Boris. Et dans un tout autre genre, il y a la ressortie, donc c'est même pas pour les 20 ans d'ailleurs, c'est pour les 21 ans, donc la sortie du premier long métrage de Christophe Gans, Le Pacte des Loups, qui ressort et qui repassera normalement au Gaumont et peut-être à l'Arvor, parce qu'on avec les copains du cinéma est mort, on pensait peut-être débrief de Pacte des Loups pour revenir sur quand même ce film, donc de film de genre français des 20 dernières années. Ça fait, je l'ai pas vu depuis 20 ans. Moi. Qui aurait pu faire école, mais qui n'a pas fait école. Mais non, mais parce qu'il est super mal foutu. Enfin bon. Ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est la France. Un film mal foutu n'a jamais empêché de faire des suites, Erwan. En fait, c'est ça le truc, ils auraient dû mélanger Le Pacte des Loups et Brocéliande. Mmh. Brocéliande, belle bestiole, ouais. Film nul. Mmh. Le Pacte des Loups, film où il y avait des trucs. Des bestioles. Des bestioles toutes pourries. Ouais. En fait, ils auraient mis la bestiole, tu vois. On va pas faire l'émission maintenant. Mais voilà, ça aurait pu être intéressant. Donc voilà. Il y a quand même le plus grand film de l'histoire du cinéma, Salo, qui ressort. Oui, qui ressort demain. Le traumatisme, si vous voulez vous faire traumatiser. Au TNB. Ça va, c'est pas si traumatisant que ça. Non, c'est un film des années 70. Voilà. Ça va. Moi, j'ai vu trois fois, ça va. Par contre, si vous n'êtes pas habitué à avoir des trucs un peu limite au cinoche, voilà. Un peu crassouille, quoi. Ouais, voilà, faut pas trop aller, quoi. Donc, voilà, bon, sinon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de Rainer Werner Fassbinder, donc le plus grand metteur en scène de l'histoire du cinéma allemand, mais bon. On en reparlera une prochaine fois. On a fait deux émissions sur les bonhommes. Et en tout cas, Rainer, on pense à toi. Moi, je pense à Ray Liotta. Dans un Ray Liotta, genre. Ah, oui. qui est décédé le week-end dernier à l'âge de 67 ans. Ouais, super jeune. Hein. Donc voilà, ciao Ray. Ciao Ray, effectivement. Même si ça aurait été un peu l'homme d'un rôle, en fait. Oui. Mais un bon rôle. Mais quel rôle. Voilà, dans Les Affranchis. Bon, on va repasser sur du local. Donc, du local. Justine va pouvoir nous en parler parce qu'a lieu la semaine prochaine, le 10 et 11 juin, à la Salle de la Cité à Rennes. Qu'est-ce qui se passe à Rennes, Justine ? Il va se passer le merveilleux Festival du film de l'Ouest organisé par Courant Béton, dont je suis la directrice artistique. Et du coup, ce n'est pas par copinage que je viens faire un peu de promo dans cette chère émission. C'est du coup, tu passais dans le coin, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je n'avais pas du tout envie de parler du Cronenberg. Donc, à l'occasion de ce festival, on va pouvoir voir une super chouette sélection de films bretons qu'on a sélectionnés tout au long de l'année avec le comité. On a 3 séances de films en compétition. Il y a 9000 en tout sur la compète. Et on a une séance spéciale dédiée à Pas comme des loups, le film de Vincent Pouplard qui était sorti il y a quelques années, un film nantais. Donc voilà, on aura l'occasion de se rencontrer et je peux le dire en avant-première, mais l'un des membres du jury qui est un ennemi adoré quand même sera le gentil Antonin Moreau du Cinéma est mort, accompagné de deux comparses de très très haut vol. Donc voilà, ça promet de très belles journées avec des rencontres professionnelles, des rencontres autour de cas d'école du grec, des ateliers de réalisation pour les plus jeunes et le soir, la fête. Des concerts, évidemment, puisqu'on a Carrie Goss le vendredi soir notamment. Excellent. Qui est une artiste qu'on aime beaucoup. Donc voilà, on vous invite chaleureusement à venir participer à la fête avec nous. Donc pour célébrer le 10 et 11 juin à la Salle de la Cité à Rennes. Tu remarqueras, Erwan, qu'ils ne nous ont pas demandé de faire membre du jury. Hein, c'est quand même. Non, mais ils ont eu raison. On pense à vous pour les années prochaines. Ah oui, on a hâte. Non, mais ça va, moi je travaille assez comme ça. C'est bon. En plus, c'est bénévole, oh là là. Oh là oui, en plus, bénévole, ça va. Ce qu'on aime, c'est l'argent. Bah oui, avant tout. Ah bah oui. C'est pour ça qu'on fait ce métier d'ailleurs. Exactement. C'est pour ça le pognon. C'est pour le pognon. Oh là là, un dégoût. On va essayer de faire comme le même et d'avoir une Tesla l'an prochain, si vous voulez. On pourra vous balader. Ah, mais moi je veux bien. Mais moi, 3 Tesla. J'ai pas le permis, de toute façon. Oui, mais t'as un chauffeur. Vraiment du luxe, quoi. Vraiment du luxe. T'as un chauffeur, Erwan, évidemment. Donc voilà, merci évidemment, on ne me croit pas de faire la promo donc, du Festival du film de l'Ouest. Ah si, oui, c'est vrai que j'ajoute, parce que tu me l'as demandé tout à l'heure, à l'occasion de du festival, on va pouvoir mettre en avant une nouvelle association de production qui s'appelle Fermeute.
on a sélectionné deux films qu'ils ont fait, le Jérôme Bosch 9000, sur un groupe de quatre jeunes qui se retrouvent pendant une semaine à faire un puzzle de 9000 pièces du Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Bon courage, avec une super BO de Rouge Gorge, et un deuxième film, Le Petit Tailleur de Léo Dazin, qui est lui adapté de Bukowski. Donc voilà, on va pouvoir célébrer leur naissance sur le festival. Une nouvelle association et une maison de production en Bretagne. Ça fait toujours plaisir. Que de choses. Merci. Donc on va passer à la section critique de cette émission pour retourner du côté du le Canadien un peu fêlé, un homme qui nous donne des nuits blanches. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était Syndrome 81 avec Des Nuits Blanches, extrait de leur premier véritable album qui vient de sortir en numérique et qui sortira en physique dans une quinzaine de jours dans les points de vente habituels des bons produits punk, et notamment une release party à Brest, Place Garin, les 24 et 25 juin. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'on attendait cet album quand même, hein, 10 ans pour produire un album, espèce de bande de gros branleurs, après une palanquée d'EP merveilleux qui avait donné cette magnifique compile Béton E Nostalgie. On est enfin heureux de pouvoir réécouter des morceaux inédits de Syndrome 80. Donc voilà, on parle de Nuit Blanche, et de Nuit Blanche, il va en être question à l'occasion du retour dans les salles obscures de David Cronenberg, dont on n'avait pas vu de film depuis 2013, si je ne m'abuse, avec le catastrophique Map to the Stars, qui était précédé de l'affreux Cosmopolis. Si, quand même. Non, donc, non, je suis pas d'accord. C'était pas. Ah, moi, je suis pas d'accord. David Cronenberg, un des grands noms du cinéma d'horreur des années 70-80, on va dire, qui, au début des années 90, commence à avoir une production toujours régulière, mais assez inégale dans l'intérêt et dans la qualité, puisqu'il revenait beaucoup sur ces mêmes thématiques, avec parfois donnant un peu la pression de tourner en rond. Et donc là, c'est son retour avec un vieux projet qu'il avait déjà dans les années 90, qui à l'époque s'appelait Painkiller. Et donc il reprend ce projet-là, mais tout en reprenant aussi le nom de son deuxième court-métrage, donc qui s'appelait aussi Les Crimes du Futur, qui date des années 70, si je ne m'abuse. Et donc là, donc, c'est son retour en salle avec un de ses acteurs fétiches de la dernière décennie, qui est donc Viggo Mortensen. Il y a aussi évidemment les deux petites jeunes bien connues, qui sont Léa Seydoux et Kristen Stewart. Et dans ce film qui s'apparente un petit peu comme un best-of de sa carrière, que ce soit en termes visuels ou bien en termes thématiques. Donc c'est un film d'anticipation, on va dire, qui se passe en grande partie en Grèce, puisque le film est une coprone entre la Grèce et le Canada, qui est donc le pays d'origine de David Cronenberg. Et donc il va reprendre un peu ces mêmes thématiques où Viggo Mortensen est un garçon un peu étrange qui fait du body art, car comme il le dit lui-même, là, chirurgie, c'est le nouveau sexe. Et donc il fait en public diverses exhibitions de son corps et de différents sévices qui pourraient se donner. C'est plutôt des tumeurs. Ouais, c'est plutôt bien des précisé tumeurs, que c'est quand même assez particulier. C'est une espèce de body art. Il fait pousser des tumeurs en fait. Parce et en fait, lui, ensuite, avec les acétos, ouais, elle l'excise. Et lui-même, elle lui retire les tumeurs. Il sent qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans son corps, parce que toutes les nuits, il est dans une chaise particulière qui nous rappelle évidemment les créatures du festin nu d'après Burroughs en 1992, si je ne m'abuse. Et donc, de là va se mêler une relation avec sa compagne qui, je parler assez doux, en même temps des gens bizarres qui veulent vendre leurs enfants décédés pour faire des expériences dessus, une autre personne étrange, parce que c'est quand même peuplé de gens étranges, incarné par Kristen Stewart aussi, qui semble très intéressée par la chirurgie et on va dire les pas que par encore. La chirurgie, pas visiblement. Que par la chirurgie, mais si, parce que la chirurgie est le nouveau sexe. Elle est surtout intéressée par Viggo, par le beau Viggo, par le beau Viggo qui à 60 ans passé, il est quand même admirablement bien. Qui est un peu beau gosse quand même. Ouais, ça va quoi. C'est un peu beau si à 60 ans tu ressembles à Viggo Mortensen, ça va. Ouais. T'as gagné ta vie quoi. Ça va tranquille. Comme quoi élever des chevaux. 70 ans. Non, faut pas exagérer quand même. Non, il a pas 70 ans. C'est pas possible, il a pas 70 ans. Au moment du tournage du Seigneur des Anneaux, il avait 40 ans. Donc, non, c'est pas possible. Non.
quand même. Non, non, mais c'est... N'exagérons pas. 63. Bah, voilà. Ouais, bah, ah, voilà. Ouais, bah, non, la mais... soixantaine, quoi. Le film a été tourné il y a la deux ans, c'est bon. Voilà. C'est... voilà. Non, mais... Bref. Donc, voilà, comme je disais, le film qui, bah, pour moi, ressemble un peu à un genre de best-of de la carrière de David Cronenberg, mais sauf que dans ses films précédents, on va dire, notamment ceux de la fin des années 80, début des années 90, qui est peut-être sa période la plus fertile en termes créatifs, avec les faux-semblants, avec les vidéodromes, il utilisait le présent justement pour essayer de définir le futur, et notamment toute la question du post-humain et puis du transhumanisme, enfin d'un genre de transhumanisme. Alors que là, en voulant faire plutôt un film d'anticipation, il parlerait beaucoup plus du présent tout en étant un petit peu en retard. C'est pour ça que je trouvais que moi, l'intérêt du film, il y a des choses qui visuellement sont évidemment toujours très intéressantes. Il retravaille beaucoup avec la même équipe que ses précédents films, donc notamment à la construction des décors, c'est Carol Spier. Il y a Howard Shore à la musique. Howard Shore à la musique qui revient, donc c'est à peu près la même team qu'avant, on va dire, mais je trouve que là, ça tourne finalement un peu en rond. Ça ressemble à un genre de film best-of tout en étant un film testament où finalement il n'arrive pas vraiment à renouveler le discours qu'il avait dans ses films les plus importants des années 80-90, je trouve. Docteur. Alors, moi je suis un peu embêté avec ce film-là parce que je me pose beaucoup de questions, enfin je me pose plutôt des questions sur moi, mon rapport justement à Cronenberg, qui est un cinéaste que moi j'ai toujours bien aimé. Et j'ai toujours remarqué que chez Cronenberg, il y a toujours une espèce de décalage entre la réception de ses films au moment où ils sortent et l'appréciation que tu as de ses films 10 ans après. Moi j'ai souvenir d'avoir vu comment les deux avec Viggo justement, comment les promesses de violence et Dangerous Method aussi, voilà. Ils ont fait 3 films. Et des films qui étaient des films, notamment une Dangerous Method qui avait été descendue en flammes et qui, moi, sur le coup, je veux dire, m'avait pas semblé... Parce que la réception était plutôt justement, assez partagée. C'était, voilà, j'étais peut-être pas... Moi, je suis assez fan du Cronenberg des débuts. Moi, je suis assez fan jusqu'à Dead Zone. Voilà, jusqu'à Dead Zone, on va dire. Voilà. Après, je trouve que ça part après un peu dans des trucs expérimentaux. J'aime bien le Festin Nu. Bon, voilà. Mais la fin des années 90, c'est pas ces mêmes périodes Cronenberg, c'est un cinéaste qui est compliqué parce que tu vois, par exemple, là, moi, dans ce film-là, il y a plein de trucs que j'ai aimé, hein, dans le film, que ce soit au niveau thématique, au niveau visuel. Mais par contre, je me suis senti pendant tout le film hyper extérieur au film. Et en fait, je me disais, comment ça se fait que je m'en rends compte là, en regardant le film, alors que c'est précisément ce que j'aime dans Scanners, tu vois, ou dans Vidéodrome, c'est justement cette espèce de distance très, très froide, cette espèce de froideur. Un peu clinique. Puis très cérébral, ce côté très cérébral. Et c'est intéressant. Alors là, par contre, moi, je trouve que justement, là où le film est assez intéressant, c'est que certes, il brasse des thèmes qu'il a déjà brassés, mais je trouve que. Là, pour moi, il va sans doute à l'os sur un aspect qui a toujours été là, et c'est marrant, là aussi je m'en étais pas forcément rendu compte avant, en tout cas je l'avais pas formulé avant, et c'est l'idée que les films sont d'autant plus cérébraux qu'ils vont être organiques. Et c'est marrant parce que le film, moi ce que j'ai bien aimé, c'est le côté réduit du film qui revient un petit peu sur la forme de ses premiers films, un côté assez minimaliste avec peut-être un peu trop de niveau d'écriture. Des trucs policiers qui se rajoutent à des histoires de révolution, qui se rajoutent à des histoires de transhumanisme. Qui sont un peu sur des choses qui ne sont pas forcément développées, notamment le côté policier. C'est peut-être un petit peu trop. Accessoire. Un petit peu trop. Je trouve que il y a toujours eu un côté salmigondi technique hein, chez lui, hein, le côté l'intérêt pour la technologie, pour le côté psychique et tout ça. Il y a toujours eu ce côté un peu, cette espèce de ce côté verbiage un petit peu. Ça a toujours fait partie de ses films. Là, je trouve notamment, c'est quand on découvre, alors spoiler hein, par contre, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, quand on découvre finalement que Viggo est en fait un mec infiltré qui doit survivre, je me dis, mais c'est pas très intéressant en fait, ça, parce que je veux dire, le fait que ce soit un artiste qui fasse du body art avec ses propres produits, enfin, c'est déjà suffisamment intéressant pour être chelou. Il n'y a pas vraiment besoin d'en rajouter, et à la limite de le plonger dans une intrigue de film noir, mais de le plonger comme un personnage de film noir, c'est-à-dire un personnage qui n'est pas représentant de l'ordre, qui est monsieur de néo-noir, qui est monsieur tout le monde et qui se retrouve plongé dans trois personnages du polar entre le flic, le privé et puis le Kidam. Le Kidam, voilà, exactement. John Doe, quoi. Et peut-être que ça aurait. Enfin, moi, je vois. Parce que du coup, ça ouvre plein de questions auxquelles il répond pas. C'est-à-dire, mais qui c'est qui l'a envoyé, pourquoi faire, quel est le but, pourquoi est-ce qu'on lui a dit des trucs, pas d'autres trucs. Enfin, voilà, ça pose plein de questions scénaristiques. Alors après, moi, je peux pas en vouloir à Cronenberg d'avoir voulu être ambitieux, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu tellement. Il y a tellement de films qui sont avec des scénarios tout nazes. Tout pourri, qu'on peut pas lui reprocher d'avoir essayé de. Mais peut-être qu'il a essayé de trop en mettre. Se disant, c'est mon dernier film,
je balance tout ce que j'ai. En 1h45. Voilà. Et je trouve que au final, ça finit par jouer un peu contre le film, parce qu'en fait, on passe une bonne partie du... Enfin, moi, j'ai passé un bon tiers, une bonne moitié du film à essayer de comprendre comment fonctionnait le monde. Et ça se fait, je trouve, au détriment de la relation entre Viggo Mortensen et Léa Seydoux, qui, moi, je suis pas fan, mais qui je trouvais pas mauvaise du tout, hein, dans ce film-là. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. J'ai beaucoup plus de problèmes avec Kristen Stewart. Alors là, je me suis posé vraiment des questions sur Cronenberg. Et c'est pour ça le truc, c'est que moi, il y a des plans que j'ai aimés, il y a des moments de montage que j'ai aimés, la scène d'ouverture est super, tout ce qui est avec Viggo est super, sauf quand il met sa cagoule, il a l'air d'un ninja et à chaque fois j'ai envie de rire. Richard Harrison, exactement. Mais c'est vrai que je me suis posé des questions sur Cronenberg, pourquoi tu diriges certaines actrices comme ça? Parce que je me suis dit, mais Kristen Stewart, ça y est, elle est atteinte du syndrome de Keira Knightley dans Dangerous Method, c'est-à-dire. La bouche est mis ouverte. Ouais, voilà, j'en fais beaucoup. Je joue. Ça dépend qui la dirige souvent. Je joue. Et c'est vrai que face au... Mais c'est peut-être voulu, en fait, hein, face au côté hyper naturel de Viggo, quoi, qui a juste à arriver, qui est, quoi. Voilà, c'est ça le charisme. Non, c'est mais chiant, le mec, on t'explique, il a une fermeture éclair. Une fermeture éclair sur le ventre. En forme de charnue, en forme de ventre qu'on peut ouvrir. Et un tailleur, on peut mettre des trucs dedans. On peut le doigter son ventre. Et, voilà. Et il arrive à nous faire croire que voilà, il y a du plaisir qui peut. Enfin, tu vois, c'est donc c'est très un film très étrange, parce que c'est un film où j'ai passé mon temps à balancer entre. Je trouve qu'il y a plein de thèmes, le thème de l'art, justement, de l'exhibition, de qu'est-ce que tu peux faire, jusqu'où tu peux aller pour montrer ton corps. Enfin, ça a vachement à voir avec les sociétés d'aujourd'hui, justement, qu'est-ce que peut devenir l'art dans 100 ans, à partir du moment où le corps est devenu aujourd'hui l'enjeu de la manière dont les gens grandissent, tout simplement, et dans la manière dont ils se représentent. Enfin, bon, voilà. Il y a plein de thématiquement, c'est très très riche, et formellement, c'est très très riche aussi, mais c'est déséquilibré. Voilà. Justine. Je te rejoins quasiment point par point sur tout. Je trouve que au début du film, ce générique, moi, m'a un peu balancé de tous les côtés, parce que j'avais l'impression d'avoir affaire à un générique de série télé, un petit peu... Stargate. Ou même dans les séries, tu vois, les séries contemporaines, les Dark, Netflix, enfin les trucs sur Netflix et tout ça. Des séries mystérieuses. Un petit peu, voilà, où il est question d'enquête, il est question de monde killer, dystopique, voilà. De tatouages. Et donc, je savais pas trop où le film allait. Et j'ai trouvé que la grande idée du film, vraiment, qui est aussi un peu, enfin, qui est complètement en germe dans Crash, par exemple, c'est le renouvellement du paradigme lié au sexe. Je trouve que ça, c'est une idée assez folle de dire que donc maintenant. Crash, c'était le rapport avec la machine. Avec la machine, et la ça, voiture. Ça poursuit Existence aussi, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est des thèmes qu'il travaille, quoi. Thématiquement, c'est, je trouve des idées sublimes, et j'aimerais voir, mis ça à l'écran. C'est la nouvelle chair, de toute façon, de Vidéodrome. Hein. Enfin, là, c'est pour le coup, c'est vraiment une application de ce que peut être la nouvelle chair. Et là y a, donc on nous l'explique et on le comprend très facilement, voilà, qu'il n'est plus question du sexe classique, du coït, on va dire, normé, voilà, les organes génitaux. Non, en fait, il n'est plus question de ça. Maintenant, c'est un sexe qui se développe de façon chirurgicale, avec, voilà, on se scarifie. Et je trouve cette idée vraiment super belle. J'aimerais la voir vraiment développée. Et malheureusement, je trouve qu'on la sent peu, elle n'est pas, et ça revient sur ce que tu disais, Erwan, c'est que comme le film n'est pas tenu sur cette idée-là et qu'il veut aller partout, finalement, on a quelque chose qui est un peu, qui se dégonfle assez vite. Et il y a une autre idée que je trouve assez folle, et là, pour le coup, je ne sais pas encore vraiment comment me positionner, c'est dans ce monde-là, on distingue quand même d'un futur plus ou moins proche, où du coup, il y a évidemment la mutation qui est en jeu, la mutation des corps, la mutation du sexe, le changement de tous ces paradigmes-là. Il y a une seule frange de la population, une espèce d'élite qui a accès à ça, c'est le milieu de l'avant-garde. Parce que tout le film, la vie du film repose dans ces lieux... Un peu comme une factory de Warhol. Exactement. Ces lieux un peu de l'underground, quelque chose aussi de très lugubre, de très sale, crasseux. Dans des zones industrielles, au milieu de bateaux abandonnés. Toujours à l'intérieur, où du coup c'est ces lieux-là qui accueillent les expositions, les performances, donc avec un milieu de gens un peu une élite, quoi, artistes. Ils ont des caméras au doigt, caméras au poing, voilà, ils sont très intéressés. Tout est analogique, sauf les caméras bagues. Oui, il y a les caméras bagues. Il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'ordi. Donc voilà, c'est un monde post-grand effondrement, en fait. Tout à fait. Mais ça, cette idée-là, c'est quelque chose qui me trouble un peu, parce que c'est mettre en avant une frange, enfin, quelque chose de très bourgeois pour moi dans le thème. Je me suis demandé s'il n'y avait pas de la satire, en fait. Je pense, mais du coup, je ne l'ai pas. De la
part de Cronenberg. Ouais, mais elle n'est pas appuyée, la satire. Parce qu'il regarde ça de manière très clinique, quoi. Qui ne sent pas du tout de sympathie pour ces gens-là, en fait. Pour pas les, du tout. Mais pas de mépris non plus. Non, ils interagissent mais, très peu aussi. Il y a carrément quelque chose presque d'entomologique, tu vois, cette espèce de fourmi qui s'agite. Mais ça, cette idée est folle, encore une fois, parce qu'on est sur une table de chirurgie, en fait, et dans un espèce de scaphandre là, qui fait un peu peur, enfin, un sarcophage plutôt qu'un scaphandre. Et du coup, on a toute l'analyse, et c'est justement leur rôle à Léa Seydoux et Vigo, c'est de faire passer le message que le sang, c'est aussi à l'intérieur. Et là, c'est là où je te rejoins pas du tout. Moi, je trouve que Kristen Stewart est super, vraiment. J'aime beaucoup ce surjeu qu'elle a et cette façon de se contenir et d'avoir une tension sexuelle. La scène de drague, notamment dans la pièce. Je la trouve vraiment très belle. Quand elle ouvre la bouche. Elle pousse ses doigts dans la bouche. Tout à fait. Là, effectivement. Mais moi, j'ai trouvé. Moi, je sais que ça. J'ai mis longtemps, moi, à m'y mettre. C'est vraiment, moi, elle est assez douce. Ou au début, c'est pas vraiment une actrice que je porte dans mon cœur. Je la tolère. Mais je me suis dit, OK, là, ça va le faire. Et finalement, plus le film avançait et plus elle avait. Enfin, de cesse d'avoir des répliques à la bouche un peu désuètes, quoi. Ouais, mais ça, c'est plus un problème de scénario qu'un problème de Léa Seydoux. Oui, mais si, c'est son jeu aussi, parce qu'elle en fait trop. Elle se marque trop. Elle a tendance à en faire des caisses souvent. Et je trouve que ça, en tout cas, c'est vraiment un point du film qui m'a fait vraiment sortir. Moi, je sais que pour moi, ça marche pas des caisses, hein, parce que pour moi, quand elle est avec Vigo, il prend tout, il bouffe les scènes. Hein, oui, mais elle est pas toujours avec lui. Elle a quand même des scènes avec les deux nanas, les deux techniciennes, où je trouve, par exemple, il y a une scène un peu à l'image du film un peu gratuite, c'est cette scène où on retrouve les deux techniciennes donc, qui viennent réparer la belle machinerie qui aide un peu Vigo et sa compagne à performer et à faire leur art et à vivre tout court. Et du coup, on les retrouve donc dans à réparer la machine. Dans leur atelier. Dans un atelier, encore une fois, très lugubre, très sale, très post-apo dans l'esthétique. Et Léa Seydoux retourne. Elles se mettent à poil. Et là, elles se mettent à poil. Tu sens qu'en fait. Vieux cochon, Cronenberg, vieux cochon. Et c'est que. C'est comme, en fait, le. Oui, pas très utile. L'objet du désir dans le film, c'est Viggo Mortensen. Pour moi, c'est vraiment Saul, l'artiste. Tout le monde le veut. Tout le monde veut le charcuter. Tout le monde veut. Ou alors se faire charcuter par lui. Voilà, il y a quelque chose que je trouve hyper. Hyper nouveau aussi dans la représentation qui n'est pas un male gaze, en fait. Et je trouve ça sublime. Sauf que ces moments-là sont gâchés par des élans un peu pseudo-érotiques de femmes à poil. On en voit quand même 3-4 fois dans le film. Qui sont pas très utiles. Qui sont pas super érotiques non plus. Non, parce que ça, j'ai lu aussi le fait que le film soit un pseudo, un film un peu de SF dystopique érotique. Alors non, je trouve pas, justement, c'est ça qui est encore plus fort. C'est beaucoup moins cul que Crash. Oui, mais c'est parce que je pense que comme il a voulu saisir un espèce de basculement entre un monde, on va dire, organisé et enfin une façon les corps organiques existaient tels que nous on les connaît, là on bascule dans autre chose où du coup on va devoir se nourrir de plastique pour manger parce que c'est ce qu'on nous dit aussi en sous-texte avec toute cette intrigue policière avec l'infanticide et tout ça. Et du coup il a voulu saisir ce basculement là. Parce qu'il y a l'idée de la mutation aussi en fait. Donc c'est presque un film de X-Men mais où il n'y aurait pas d'acte super-héroïque en fait. C'est un film sur le devenir de l'humanité et un devenir qui est un devenir qui se passe où, parce que justement son intrigue il la place dans ces, j'en reviens à ces salles d'exposition, ces salles de performance où un milieu initié a accès à ça. Et en fait, en dehors, dans la ville, il n'y a personne, si ce n'est... Il n'y a pas de vie, de toute façon, en dehors de ces lieux-là. C'est les bas-fonds de Blade Runner, quoi. Il pleut un peu, mais sauf qu'il y a trois pélos et qui se scarifient dehors et puis voilà, qui prennent leurs pieds. Mais finalement, on n'a pas d'environnement, quoi, de ce monde-là. Donc, est-ce que tout a disparu et c'est ça le seul stigmate du monde d'avant, du coup, qui va entrer dans un monde d'après. Est-ce que c'est une espèce de zone protégée, justement, une interzone, Ça revient à ces objectifs. Obsession de Burroughs, de l'interzone, tout ça, du cut-up aussi. Mais au lieu d'être un cut-up littéraire, ce serait un cut-up littéral sur la chair, quoi, où le verre n'a plus d'importance, mais c'est l'organique qui prend le pas. Je trouve que les scènes d'opération sont vachement bien, quoi. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, justement. Et alors, moi, ce que j'ai apprécié quand même aussi dans le film, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de numérique. Alors, moi, je me suis posé la question sur le bateau en ouverture, parce que franchement, le bateau, il a l'air vrai. Je me suis dit, tiens, c'est pas une image numérique, c'est un vrai bateau.
qui est vraiment échoué. Et j'ai pensé au Costa Concordia tout de suite, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est le Costa Concordia, quoi, tu vois. Et en fait, je me dis, mais non, c'est pas possible. Enfin, mais peut-être que si, en fait. Enfin bon, bref, toujours est-il que moi, j'ai apprécié le fait que. Moi, j'ai pas l'impression, tu vois, que les meubles, les espèces de meubles bizarres, que. Ah non, c'est du mécanique. Tout est mécanique, tout est. Et ça, moi, j'ai apprécié cette espèce de retour aussi un petit peu. Bah, de l'organique, justement. Voilà, à quelque chose de plus. Et je trouve ça cohérent, surtout par rapport à ce dont il parle. Ça aurait été un truc organique avec du numérique. Ça aurait posé un problème. Oui, mais ça peut être, par exemple, si on parle. Du lit là en coque, voilà, qui a une forme de scarabée vaginal, quelque chose de très, très spécial, qui est super. Par contre, la chaise dans laquelle il doit manger pour se sentir. Là, ça se faisait un peu bidule, quoi. Et moi, j'ai presque trouvé ça drôle, moi, ces scènes-là. De ce mec en est rendu au point où il arrive. Et en fait, le truc, c'est que. Alors, mais ça, par exemple, tu vois, ça, c'est un des aspects intéressants du film. C'est-à-dire que j'ai compris vraiment qu'à la toute fin du film, à quoi vraiment servait la chaise. Oui. C'est-à-dire que je me suis dit, mais pourquoi il s'assoit dans... Pendant tout le film, je me suis dit, mais pourquoi il s'assoit dans cette chaise qui a l'air vraiment pas commode pour manger. Je me dis, tu m'étonnes qu'il a du mal à bouffer. Mais on a un exemple. En fait, on ne se rend pas compte exemple... que c'est l'inverse, en fait. Il faut voir les choses sous un autre angle, en fait. Mais la scène de fin, je l'aime beaucoup. Je pense qui qu'elle cite est... explicitement le Dreyer, le Jeanne d'Arc de Dreyer. Le Jeanne d'Arc de Dreyer. Mais oui, et puis en plus. Elle c'est est très belle, puis le passage au noir et blanc est très beau. Exactement, bien, mais c'est. Très beau gros plan. Là, encore une fois, le passage au noir et blanc, je pense qu'il a rien laissé là de son côté symbolique, quoi. Voilà. On est avant. Est-ce que Viggo meurt à la fin? Est-ce qu'en fait c'était ça la solution? Il fallait qu'il mange ses barres. Ou alors est-ce qu'il atteint la transcendance? Ah non, pour moi au contraire, il devient, il comprend ce qu'il est en fait. Enfin moi c'est la théorie que c'est j'ai. La révélation. Bah, c'est qu'en fait il comprend sa vraie nature en fait. Bah, c'est comme la fin de Jeanne d'Arc justement quand elle est sur le bûcher où elle voit la transcendance, elle voit la vérité et d'un coup son regard s'éclaire. Il le dit d'ailleurs plutôt dans le film, il parle d'épiphanie, de choses comme ça. Et il faudrait que je pense qu'il faudrait que je revoie quand même le film. Parce que tu vois là sur une première impression. Je suis mitigé, mais et encore une fois, peut-être que ça me fera le même coup qu'avec d'autres films de Cronenberg, où sur le coup, je me suis dit... Et puis, tu vois, 10 ans après, elle fait cette nuit, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit... Bon, 10 ans après, je l'ai revu, j'ai fait... Cosmopolis. Hein. Cosmopolis, tu vois, pareil, je l'ai vu sur le coup, je me suis dit... Oh, c'est un peu... C'est bien, mais un peu chiant. Moi, c'est quoi, le film devant lequel j'aurais voulu m'endormir, mais j'ai pas réussi. Alors, moi, c'est Map to the Stars, parce que moi, Map to the Stars, il y a un truc que moi, je m'en remettrai jamais, c'est ce feu numérique. Ouais. Et là, je me suis dit, Cronenberg, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas le seul défaut. Hein. Non, mais pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire le truc où j'ai décroché du film, où j'ai dit, non, ok, d'accord, là, t'es sur la mauvaise, c'est pas bien ton film, là, il est pas bien. Tu mets pas un feu comme ça, tu fais un vrai feu, tu te démerdes, tu fais du hors-champ, mais tu mets pas un faux feu avec un mec qui brûle à l'intérieur, c'est tout naze, quoi. Ouais, et là, très content qu'il reviennent à des choses organiques et où ça c'est un bon look quoi. Oui, tu vois. Ah, mais visuellement la direction artistique est assez sublime, ouais. Mais je pense que le film aurait mérité à être resserré. La musique est bien et d'ailleurs elle prend pas le pas non plus sur l'image, elle est assez sporadique comme ça, elle vient... La scène du gars avec les oreilles, là, elle est super belle, mais là il y a un vrai côté satire parce qu'on se moque frontalement de l'art contemporain aussi, parce que le mec s'est fait poser plein d'oreilles. Plein de fausses oreilles sur et le corps. Voilà, et donc là une nana arrive et elle dit en fait non, il y en a que deux qui sont fonctionnels. Évidemment, et le reste, c'est du bullshit, et ça, je trouve ça sublime. Puis ils arrêtent pas de se tirer la bourre entre eux. C'est assez bien vu, justement, sur le milieu de l'art. C'est à dire, ils se connaissent tous, tout le monde est très poli, et en même temps, dès qu'ils sont plus les uns avec les autres, ils commencent à se dire, il aurait dû resserrer son film là-dessus. Je pense que c'était le centre de son film, éviter un peu l'écueil de vouloir, avec l'histoire d'infanticide qui. On commence là-dessus, en fait après on intervient, ça n'a réintervient qu'une heure après. L'histoire du militantisme, des barres de chocolat, on comprend à quoi ça, ce que c'est vraiment qu'au mais bout il d'un avait moment. Toute la matière sur le changement de paradigme du sexe, qu'est-ce que c'est dans le milieu artistique de faire ça, qu'est-ce que c'est que l'exhibition jusqu'à où on peut s'exhiber, quoi. Où un acteur peut s'exhiber, enfin parce que ça résonne vachement justement avec la notion de spectacle. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas précisé que du coup tout ce aussi c'est que les corps ont tellement changé à cette dans la diégèse du film que les humains ne ressentent plus la douleur, ce qui leur permet aussi d'avoir des actes aussi. De se scarifier, de se couper. Et ça, c'est un aspect intéressant du film aussi. C'est-à-dire l'idée que s'il n'y a plus de douleur, il reste le plaisir. Mais d'où vient le plaisir ? Et le plaisir naturel, du coup, ne peut être ressenti comme plaisir que s'il y a de la douleur en face. Donc s'il n'y a plus de douleur, ça veut dire que le plaisir, tu vas être obligé d'aller le chercher de plus en plus loin. La douleur peut être source de plaisir. De plus en plus loin, et justement, d'aller justement dans des choses beaucoup plus masochistes. Parce que la douleur, il faut que la douleur devienne le plaisir, puisqu'il n'y a plus de douleur. Voilà.
Donc il faut que tout ce qui provoquait douleur devienne plaisir. Et ça, c'est intéressant justement sur cette espèce de... Et c'est un super choix de casting que d'avoir pris Viggo pour incarner ça. Et Viggo est très très bien dedans. Mais moi, je suis, voilà, moi, je suis secrètement au premier du désir, au deuxième c'est souffrir et au final du plaisir. On est beaucoup trop partial sur Mortensen. Exactement. Voilà, donc c'est le nouveau film de David Cronenberg, Les Crimes du Futur, actuellement dans vos salles. On va passer à toute autre chose, mais on va continuer avec des sex symboles. Et tout de suite, donc évidemment, on retourne vers le monde merveilleux de 1984. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Top Gun Anthem, le thème de Top Gun de Harold Faltermeyer, repris par ce gros bourrin de Lorne Baffle. Et donc, Lorne Baffle. Et donc, évidemment, je vais parler, car je suis le seul esthète autour de cette table, donc du nouveau film de Tom Cruise, évidemment, le seul et l'unique, donc Top Gun Maverick, qui devait sortir il y a déjà 2 ans, mais bon, due to Covid, le film a été repoussé plusieurs fois, ce qui fait que Tom évidemment garde encore son éternelle jeunesse puisqu'il va avoir cette année ses 60 ans, le petit père. Hein. Ah, putain. Il est moins beau que Viggo quoi. C'est pas le même style. Et donc Top Gun Maverick, réalisé par Joseph Kosinski, qui avait avec Tom avait déjà bossé avec lui en 2013 avec Oblivion. Ah oui, qui était... Non, qui est pas si ça allait, mais qui était... Non, que j'ai revu, qui est un film qui est très intéressant. À la fois en termes formels et notamment sur l'être Tom Cruise, puisque nous on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. À chaque fois qu'on parle des films de Tom, chaque film de Tom est un film sur Tom en l'occurrence, et donc là il reprend la suite de son premier énorme gigamouse succès de 1984, produit par le duo pétaradant Don Simpson et Jerry Bruckheimer, qui était le deuxième long métrage de Tony Scott, à qui donc ce Top Gun 2 est bien évidemment dédié, puisque Tony Scott est mort il y a 10 ans en août 2012, et c'est bien dommage, d'ailleurs je le regrette énormément, Tony. Mais donc Tom refait cette suite, ce qui souvent dans les cas des suites très tardives qui viennent 15, 20, 30 ans après, ce qu'on appelle des Legacy Sequel, comme Creed par exemple, qui prenait la suite de la saga Rocky, ou les nouveaux SOS Phantom, ou en général les vieux de la vieille viennent passer le relais à la nouvelle génération pour perpétuer le mythe, voire la légende. Mais le mythe et la légende, en l'occurrence étant ici Tom Cruise n'agit pas comme les autres, parce que si Tom travaille depuis 40 ans ses propres mythes et sa propre légende, Tom Cruise n'est pas prêt de passer le relais, parce que Tom, on le sait, c'est le portrait de Dorian Gray, c'est l'homme qui refuse de vieillir, qui court après sa jeunesse dans des penchants autodestructeurs, ses multiples cascades étant à chaque fois mises en valeur dans les différents making-of de ses films. Il se plaît à loisir à répéter qu'il fait ses propres cascades, et comme il l'a dit lors de sa masterclass à Cannes récemment, quand Didier Alouche lui pose la question pourquoi est-ce qu'il fait lui-même ses propres cascades, lui répond simplement: est-ce qu'on demandait à Gene Kelly pourquoi il danse? Voilà. Et donc Tom, dans cette suite, est-ce que je peux faire le pitch? J'ai pas vu le film, mais est-ce que je peux faire le pitch pour voir si j'ai juste? Le pitch est exactement le même que le premier. Alors, c'est ça. Alors si, sauf à la différence, c'est que bah, évidemment Tom Cruise est plus le rookie, c'est lui l'instructeur, l'instructeur. Il y a des jeunes, un peu foufou. Dans le tas, il y a plus de gonzesses, j'ai l'impression. Il y a deux gonzesses. Ouais, il y a plus de filles. Ils sont pas vraiment foufou justement, parce que ils sont pas foufou. Tom, qui est l'homme qui a vraiment vu sa carrière dans le film, donc dans le rôle de Pete Mitchell, dit Maverick, aurait dû être comme Iceman, devenir soit général, soit amiral en fin de carrière, donc à l'approche de la soixantaine. Sauf que Tom est donc un maverick et que lui, il n'arrête pas de foutre de la merde. Et donc, il est resté au grade de capitaine à faire... Est-ce que Val Kilmer revient? Val Kilmer revient justement... Mais je vais en parler, ça, parce que c'est pas inintéressant des choses qu'ils font avec lui. Et donc, Tom est appelé pour, évidemment, dans une mission suicide où on se fait même plus chier à dire qui sont les méchants, qui quoi. Oui, c'est qui les méchants d'ailleurs? Il n'y a pas dit, c'est genre, t'as genre des mecs qui vont faire une base nucléaire pour aller envoyer des missiles dans un pays ami, on va y aller. Si, je sais où c'est au Valverde. Alors, on ne sait pas, non, c'est dans les trucs en léger, c'est visiblement entre l'Iran et la Russie, mais genre... Oui, donc le Valverde. Pour ne pas trop se faire chier, on va dire, voilà, c'est genre une région où il y aura des méchants qui, évidemment, n'auront pas de visage. Donc, parce que finalement, les méchants n'en ont plus rien à foutre, ce n'est même plus un film de... sécurité nationale, c'est juste un film de guerre dans lequel on va mettre en vedette Tom qui est de quasiment tous les plans et qui fait un best-of merveilleux de strictement toute sa carrière dans tous les aspects possibles, dans tous ses tics de jeu. Il des fois où il crie, j'imagine. Il crie un petit peu, il est absolument évidemment. Il fait rire quand il crie. Merveilleux, car heureusement Tom s'aime autant qu'on l'adore, et c'est dire si quand même il s'aime beaucoup. Et donc Tom va apprendre normalement aux jeunes rookies comment se former, donc il doit comment faire des flips et des machins, de passage de relais, parce que notamment on retrouve trouve
le fils de Goose qui est mort dans le premier film, et donc c'était évidemment moustachu dans le premier film, et son fils aussi est moustachu, et donc pour qu'on soit sûr, pour qu'on comprenne bien que ce soit son fils, évidemment il y a déjà des tensions entre les deux, un peu un genre de rapport au père-fils qui va se naître. Et il retrouve aussi un de ses premiers love interest qui est incarné par Jennifer Connelly, qu'on est très content d'en voir, qui est délicieuse comme tout, et ce qui donne pour le coup entre les deux des scènes de romantisme. Mais c'est pas elle qui jouait dans le premier? Non, c'est Kelly McGillis, mais en termes de standard hollywoodien, elle est plus présentable pour Kelly McGillis, non, elle est plus non. bien. Non, ouais, alors, elle est plus, c'est plus de l'école Nicole Kidman, tu vois, qui est genre de l'école, qui tombe, quoi. Ouais, d'accord, voilà, ouais, de l'école, d'accord. En cuir. Ouais. Donc, du coup, ce qui donne des scènes pour le coup très, très belles entre Jennifer Connelly et puis Tom, où en l'occurrence il n'y a plus aucune once de vulgarité dans leur scène intime, ce qui est déjà assez étonnant, parce que comme je disais, donc le film est pour le coup quasi littéralement un remake du premier film, que ce soit dans la structure, dans les péripéties, ou même dans la manière dont les dogfights sont filmés. Là évidemment il y a un peu plus de savoir-faire technologique, on va dire, ce qui fait qu'effectivement c'est en termes de fabrication, c'est hyper solide, c'est extrêmement agréable. Il n'y a pas trop de vulgarité, c'est bien découpé, il n'y a pas de fin découpage. On n'est pas dans les années 80 déjà. Il y a un rythme qui est extrêmement agréable. Le film fait déjà 2h10, ce qui est quand même appréciable pour un blockbuster ricain de faire des films de moins de 3h. Donc c'est un moyen métrage. Cool. C'est un moyen métrage, tu vois. Exactement, là pour le coup, c'est un moyen métrage. C'est à l'os. C'est à l'os de Tom. Et donc évidemment, comme dans beaucoup de ses films, Tom drive lui-même la narration, c'est lui qui est le moteur de l'histoire. Par sa simple présence. Les choses n'arrivent que quand il rentre dans une pièce, parce en qu'on fait. Sait que les gens, ils attendent. Tom développe depuis longtemps ce qu'on appelle le Cruiseverse, parce que au lieu de se mettre dans des univers partagés comme les Marvel ou les machins comme ça, Tom a essayé une fois avec Universal, quand ils voulaient faire leur film de monstres partagés, donc il avait fait La Momie, sauf que clairement ça marche pas, parce que Tom qui va se frotter à un autre mythe que le sien, ça ne fonctionne pas, parce que le mythe de Tom Cruise lui-même prend le pas sur tous les mythes de cinéma auxquels il va devoir s'affronter. Donc évidemment, il y a une erreur que Clint ne commet, n'a jamais commis. Il y a un truc qui se frotte, donc évidemment, ça ne peut pas marcher. Donc comme je disais, remake du premier film, et d'ailleurs c'est étonnant que ce film-là ait quand même un retour critique hallucinant, en disant « Oh ouais, c'est quand même vachement mieux le premier !» Mais revoyez le premier, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est une remise à niveau de Tom, qui donc va apprendre à ses jeunes rookies comment se dépatouiller. Sauf que évidemment, Tom étant Tom, la jeunesse a beaucoup rire après lui, ça reste encore lui le patron, ça reste encore lui le meilleur. Donc Tom commence à assumer très légèrement le fait qu'il devienne vieux, justement, avec quelques rides qui sont très bien choisies sur son visage, évidemment, parce que Tom se soigne. Mais donc évidemment, les rookies n'arriveront pas à la voir, et ce qui traîne quand même derrière lui, c'est le spectre de la mort. Il y a une scène où on revoit Val Kilmer. Il est temps que ça apparaisse dans son cinéma. Quoi. Val Kilmer qui depuis plusieurs années est quand même très malade. Il a perdu, il a un cancer de la gorge. Il a perdu presque totalement l'usage de la parole. Donc on le revoit dans le film à un moment donné où ils ont une petite confrontation dans le bureau de Val Kilmer, où du coup Val Kilmer parle par le biais d'un écran, enfin par le biais d'un clavier, et juste sur la fin, il parle quelques paroles qui sont vraiment terribles, avec sa voix atrophiée, où du coup l'émotion arrive à pointe, parce que c'est presque comme si Tom se confrontait à la mort des gens de sa génération, qui ne sont pas si vieux que ça. À ceux qui ne sont pas comme lui. Voilà. Quoi, mais qui vont passer le pas, qui ne sont pas des surhommes comme lui, qui ne sont pas presque des hommes-machines finalement, et qui ils voient un peu son devenir qui va arriver. Même si évidemment, à la fin, Tom va triompher de tout ça. On attend toujours que Tom fasse son impitoyable à lui, où Clint assumait clairement d'être genre un pépé, et que en disant je suis vieux maintenant, ça y est, va falloir je suis vieux, mais je suis quand même super cool, mais c'est quand même moi qui j'en prends plein la gueule, mais c'est quand même moi qui je suis fatigué, mais c'est quand même moi qui reste le patron. Sauf qu'évidemment les mythes de Clint et le mythe de Tom ne sont pas les mêmes. Il y a une différence de taille, voilà. Déjà. Enfin une différence de taille vraiment physique, oui, quoi, physique. Quand on en mettre, entre 1m60 et 2m, étonnant, dans le film, voilà, Tom accepte que les autres acteurs soient plus grands que lui, ce qui quand même n'arrive pas souvent. Parce que souvent, Tom Peut-être parce qu'avec les nouvelles générations, vu le niveau de croissance, ils ont peut-être du mal à trouver maintenant des gamins qui font 1m60. Quoi. Ah oui, non, mais même de manière générale, à chaque fois qu'il était confronté à des mecs qui font 1m90, parce que sinon, il a 14 des films avec Danny DeVito. Hein, voilà, c'est ça, j'aimerais beaucoup voir ça. Moi, je suis preneur. Tom Cruise, Danny DeVito, dans 20 ans. Voilà. Quand ils seront tout vieux. Dans un remake de Jumeaux. Ouais. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Donc voilà, Tom qui, effectivement, en termes de spectacle,
c'est peut-être, on en parlait, parce que peut-être que le niveau actuel des blockbusters américains est tellement pauvre, tellement numérique, tellement cheap que finalement on n'a plus rien à foutre de ce qui se passe. Et là, d'un coup, t'as l'impression que tu vois genre un vrai film qui ressemble à un film de cinéma, qui est vraiment mis en scène avec une histoire qui est pas folle, mais avec des personnages qui se tiennent. Et d'un coup, t'as l'impression que tu tombes devant le parangon du cinéma d'action. Mais c'est ce que pas mal de cinéphiles américains disent depuis quelques années, disent. Le niveau est tellement bas, de toute façon, que quand on nous donne un vague petit truc, on est tout content, nous, en fait, parce que dire alors qu'on se serait jamais satisfait de ça il y a 20 ans. Ce qui m'a aussi assez touché dans le film, avec les deux, pour le coup, les deux vrais films d'action de l'année, qui sont le Michael Bay et donc Top Gun 2, c'est que les deux films, en l'occurrence, portent la marque de Tony Scott. Et moi, je trouve ça très beau que 10 ans après son décès, finalement, il y a un héritage encore qui vienne. Et moi, ça m'a vraiment touché. C'est parce que t'as un petit cœur d'artichaut pour Tony Scott. Moi, j'ai un cœur d'artichaut, mais comme Tony aussi, qui avait un grand cœur derrière. Bah ouais, mais un grand cœur tout triste. Exactement. Un grand cœur tout triste. Un cœur déprimé. Ouais. Donc voilà, de toute façon, Top Gun 2, c'est évidemment le meilleur spectacle que vous pourrez voir dans les salles actuellement. Donc merci, ouais, Tom. Jusqu'à ce que le prochain Mad Max sorte, quoi. Ah bah ça, c'est pas tout de suite. Hein. Le tournage commence normalement cet été. Bon bah c'est bon signe, ça veut dire que... J'ai vu les premiers véhicules, tout ça qui sort. Mais George Miller sort avant la fin de l'année son nouveau film qui était à Cannes, 3 millions à t'attendre, avec Idris Elba et Tilda Swinton. Voilà. Un genre de film narratif avec des voyages dans le temps, des mouvements dans le passé. Étonnant. Ça a l'air foufou un peu. Exactement, ça a l'air un peu foufou. Donc Tom Gunde, une fois de plus, merci Tom d'être toi. Tom Gunde, quoi. Tom Gunde, Take Me on a Cruise. T'as trouvé un titre pour ton émission. Oui, j'avais déjà. Donc voilà. T'as déjà trouvé. Oui, bah, évidemment, j'y pense. Ça t'inspire. Bah, oui, ça je m'en doutais. Donc voilà, Tom Gunde actuellement dans vos salles, mais de toute façon, vous le savez déjà. Et donc on va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, docteur. Moi j'ai pas regardé. J'ai pas regardé grand chose, donc ça sera un petit coup de cœur, hein, pas un gros coup de cœur. Mais j'ai revu un film que j'avais vu il y a très longtemps, qui est Le Bazar de l'épouvante, tiré de... Non, c'est tiré de Stephen King, avec Ed Harris. Oh, Ed Harris qui joue dans Top Gun 2, d'ailleurs. Voilà, comme quoi. J'ai vu du Ed Harris un peu plus jeune, mais toujours aussi chauve. Et c'est une adaptation d'un de mes romans préférés, moi, de Stephen King, qui est Bazar, qui est pour moi un de ses plus politiques, je pense, sur l'Amérique, et un de ses plus désenchantés. Et le film est un peu brinque-ballant, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Il y a une director's cut que j'ai pas vue, mais c'était sympa de revenir un petit peu dans du cinoche des années 70, dans les années 90. C'est pas génial. Un peu exploite. C'est pas génial, mais j'aime bien, moi, ces petits films un peu comme Fréquence interdite. Ah, Fréquence interdite. Les films un peu mal. C'est un peu mal foutus, un peu mal réalisés. Mais j'ai de la sympathie quand même pour ça. Voilà. Donc Le Bazar d'épouvante. C'est mieux que ça, le téléfilm avec Tim Curry, hein, ouais. 90. Ouais, qui est quand même bien chiant. Je préfère. Même si j'aime beaucoup Tim Curry. Justine. Deux salles, deux ambiances. Ça va être l'année 74, parce que je ne m'étais pas rendu compte que mes deux coups de cœur étaient sortis cette année-là. Le premier, c'est Les Armoires vides de Annie Ernaux. Donc, c'est son premier bouquin. En fait, sur son enfance et son passage à la fac, donc qui est très acide comme livre, qui est très très brutal. C'est assez dingue, comme toujours chez Annie Ernaux. Dingue. Merci. Et le deuxième, c'est donc un film sorti en 74, La Tour Infernale de John Guillermin, avec on ne peut plus le nommer, mais l'indépassable Paul Newman, donc un architecte d'une tour qui prend feu, une tour la plus haute du monde à San Francisco qui prend feu, et du coup vient en aide le très bon Steve McQueen avec son squad de pompiers. Et c'est vraiment super divertissant, super bien. Ça dure pas loin de 3 heures, mais on ne les sent pas passer. Le film catastrophe qui, on le rappelle, est quand même le genre le plus con du monde, mais c'est toujours sympathique. Mais c'est pas si con, là, parce que du coup, il y a toute une gradation. Chez Bong Joon-ho, avec son film dans le train, le Transpersonnel, c'était à l'horizontale. Là, c'est à la verticale, mais du coup, avec toutes les strates bourgeois, prolo, et c'est vraiment bien, vraiment bien. Donc, La Tour Infernale de John Guillermin. Et disons, moi, ce sera deux choses. John Guillermin, moi, je dis Guillermin. Guillermin. Il est britannique. Oui, on peut le dire en anglais. Oui, ça va, les Roses Beef. Towering Inferno. Towering Inferno. Donc, moi, ce sera deux choses. J'en parlais tout à l'heure, le nouvel album de Syndrome 80, Prison
imaginaire. Et sinon, elle a fini hier soir, donc la nouvelle série de David Simon et George Pelecanos, We Own This City, la nouvelle mini-série en 6 épisodes sur les violences policières à Baltimore. Avec le livre dont voilà. s'est tiré très bien. Exactement, donc sur, qui se concentre notamment sur les années 2015-2017, mais avec beaucoup de retours dans le temps. Évidemment, comme d'habitude, c'est hyper bien écrit, c'est hyper dense, c'est touffu. Est-ce qu'il y a des acteurs de The Wire qui apparaissent? Oui, il y a des acteurs de The Wire. C'est du procédural, c'est ultra bourrin, c'est passionnant, c'est politiquement hyper acide. Et donc, évidemment, David Simon reste quand même le meilleur écrivain de la télévision des 40 dernières années, probablement. Donc voilà, c'est dispo en France sur OCS, je crois. Donc, mangez-en si vous les voyez, messieurs. Moi, je suis partant pour en reparler. Ouais, moi, il faut que je regarde ça. Ouais. Donc voilà. Merci, messieurs. Merci, madame. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le pour le mixtape Skate or Die et pour parler de cinéma et notamment de films de japonais foufou. Ce sera dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Bonsoir. Salut.